Bonjour tout le monde, ici Kevin Ducario. Nous sommes le 15 janvier 2021. Excusez-moi, là j'étais un mois en avance. Bon ben, écoutez, mon réseau est surchargé. J'étais en train de jouer avec Kirby, puis je peux pas rejouer en ligne pour le moment. Il y a trop de monde qui joue. C'est dommage que Nintendo ne se donne pas la peine au moins de soit améliorer leur... d'augmenter leur réseau. Parce que pour moi, c'est vraiment plate, Seigneur, parce que c'est plate que je peux pas jouer plus longtemps que ça, alors que j'ai à peine deux congés devant moi. Mais j'ai quand même réussi à m'en asseoir VIP rapidement avec deux personnages, Falco et Ness. Là, je suis en train de jouer Kirby, et c'est une question de centimètres pour que je remporte un combat. Difficile, puis des fois, je me combats contre des joueurs, puis tout ce qu'ils font, c'est me fuir. Carrément, hey, j'ai eu un joueur de DayZ en multijoueur, ok, que tout ce qu'elle faisait durant une minute et demie, ok, c'est de me fuir alors qu'elle était au 140%, puis moi j'avais une vie, elle en avait deux, mais même pas le courage de d'essayer de finir le jeu. Tu sais, écoutez, ça me démontre genre à quel point vous avez vraiment peur de moi. Je joue Kirby, genre un personnage tellement léger, crime aussi, que vous pouvez le chopper en 3 shots. Puis même pas foutu essayer de combattre avec moi, il faut que vous fouillez tout le temps. Et c'est ça qui fait en sorte que genre ça me faisait... c'est vrai que ça me faisait... vraiment... Oui, on peut dire quasiment dire... que ça me tapait ses nerfs, bien sûr, mais... Non, n'empêche que moi, vous me démontrez juste que vous avez peur de moi. Chris, en voulant faire des petits coups aériens, genre dans le vide, en m'entendant dans votre coin. S'il vous plaît, le monde, commande, le man, l'hostie. Moi, j'ose avec vous autres, avec Kirby. Ok? Puis le joueur là, qui a pas voulu oser avec contre moi, Falco, je m'excuse, là, crime, cibole. Tu sais, ça me pose juste, vous avez peur, peu importe le personnage que je joue. Pour vous, je suis trop menaçant. Fait que pour vous, la meilleure manière de réussir à me vaincre, c'est ça, c'est genre en m'attendant dans votre coin. Ou encore, finir avec une attaque spéciale, vous le savez tous. Mais ça m'empêche pas de réussir de remporter d'autres victoires par la suite. Avec Falco, c'était comme ça, une victoire, une défaite, une victoire, une défaite, une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. Puis après ça, whoop, victoire, victoire, yeah, Smash VIP. La première fois que j'ai eu la chance de me rendre sur le VIP à mon deuxième match, ben j'ai croisé un joueur de héros que lui, il faisait juste anticiper mes coups, il faisait juste attendre dans mon coin. J'ai pu quand même lui retirer une stock au moins, mais n'empêche que, comme que je vous dis, les joueurs qui ont peur, en général, me font tout le temps des attaques spéciales. On dit que c'est la seule chose qu'ils sont capables de faire tout le temps. Tout le temps. Mais n'empêche que c'est pas le skill, mais je vous dis, le problème pour moi se pose. C'est que vous voulez toujours finir avec une attaque spéciale avec moi, tout le temps. Mais pas ce que je vais dire, c'est toujours la même chose avec moi. Bon, maintenant, on voit le nombre de KO avec Falco et Ness. Ness a pas pris de temps. Sauf que j'ai pas pu gagner le premier match. Ça a fini au temps limite. Mais j'avais une vie avec un autre joueur. Fait que j'ai fini 2 ans avec un autre joueur, mais j'ai quand même baissé de 200 000 en partant. Comme vous voyez, genre, le pointage, c'est illogique. Si on finit en deuxième place, mais on n'a même pas le droit d'avoir des points bonnés, on régresse les deux. L'autre augmente. Vous le savez. C'est ça que je trouve plate dans ce temps-là. On dirait quand il y a des égalités, tiens, tu baisses. Mais par exemple, quand t'es en deuxième place, t'es up, mais quand que t'es en égalité en deuxième place, t'es down. Bon, alors voilà le nombre de KO qui a été fait avec ces deux personnages, que ça a été très court là, pour vous dire, ben franchement. Avec Falco, ben disons que c'est parce qu'il y a beaucoup, le monde, comme que je vous disais, genre le monde que j'ai rencontré aujourd'hui, Seigneur, il fuyait pas mal. Réellement, là, puis il me faisait des voix successives avec Samus, sacrement, là, fuck you, Calis, là, excusez-moi, là, je dis des sacs, mais c'est vrai, quand même, vous abusez bien raide, il y a juste ça que vous êtes capable de faire pour mieux performer contre moi, puis tenter par attaque spéciale, c'est pour ça que avec Falco, j'ai osé,
J'utilise plus mes attaques spéciales contre vos baineuses. Je pouvais le faire, je l'ai fait parce que justement vous arrêtez pas. Vous arrêtez pas. Je vous l'ai déjà dit, mon dieu. J'ai déjà dit. Bon, Kubi, tu es déjà rendu à 37 KO. Avec Falco, j'en ai fait 14. Et avec Ness, 9. Il y a eu 3 combats, donc 3 KO en moyenne par combat, c'est déjà très bien. Pour 3 matchs. KO en moyenne par combat, c'est sûr que Ness est en haut. S'il n'est pas en haut, ça veut dire que c'est pas normal. Avec Falco, 2,33, c'est dans ma moyenne, c'est très bien. Avec Kirby. Kirby, il est où? Kirby, je le vois pas. Regarde, Ness, il est là, en 4e position. Oh, au moins! Ben, pas vrai. Tu me niaises, toi, là. Hey, avez-vous vu ça? Avec Kirby, j'étais à 3,36 KO. Aïe, c'est pas mal, ça. Wow! Comme je l'ai dit, avec Ness, j'ai joué 3 matchs. 9 KO, ben 9 divisé en 3. 3 KO en moyenne par combat. Quand même, une statistique très élevée. Tout de même. KO par attaque puissante, maintenant. Maintenant, il y en a eu combien de ça? Ok, on est là. Ok. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup, on dirait. On dirait bien que... Ben, coudon. Avec Kirby, il y en a eu un. Ness, il y en a eu un. Et ça a bien d'air qu'il y en a eu zéro pour Falco. Ah, ben, coudon. KO par attaque smash, maintenant. Avec Falco, je pense qu'il y a eu un KO par attaque spéciale. Il y en a eu un. C'était dans l'ordre de mon dernier combat pour me rendre en space VIP. Donc, c'est ça. C'est mon masque qui m'a permis de me rendre en space VIP. Donc, KO par attaque smash, 6. Avec Kirby, je suis déjà rendu à 16. Eh bien, voyons donc. Quand même, c'est presque deux fois moins le nombre de KO que j'ai déjà fait. Peut-être en très peu de combats, on verra combien que j'en ai fait avec lui. Puis KO par attaque smash avec Ness, 2. KO par attaque aérienne. Oh, regardez ça, avec Ness, j'en ai eu 3. Ah oui, puis il y en a eu un par smash météore. Juste pour vous dire, soit disant passant, je l'ai fait contre un joueur de Roi d'Azido. Écoutez, le Roi d'Azido, le joueur qui se nomme Rarai, je le rencontre assez souvent. Moi, je trouve que c'est un joueur qui est réellement peureux. Il est très, 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 très peureux. Puis quand on perd un combat ensemble, ben, il fait juste lâcher. Lâcher prise. Ouais. C'est ça. KO par attaque aérienne. C'est ça. Il y en a eu 3 avec Falco, puis 3 avec Ness. Juste pour l'app de fun, combien de j'en ai eu avec Kirby? Eh bien, 15. Ouais, 15. C'est presque autant que par attaque smash. Ça veut dire que j'ai fait 31 KO sur les 37 qui étaient par attaque aérienne et attaque smash. Eh bien, écoute, donc, ou les deux. On va dire ça. KO par attaque spéciale maintenant. Oh, hey, hey. Oh! Regardez ça, j'en ai eu 2 avec Kirby. Probablement avec le Down B. Que j'ai utilisé très peu quand même. Deux petits KO. Puis avec Ness, 3. Ah oui, 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 contrairement, j'en ai eu un en cause que genre il a essayé de me mettre KO à la fin. Puis ça l'a. Mon Up B, il l'a touché. Puis c'est lui qui meurt avant que je meure. Donc c'est ça, Ness, 3. On voit 2 pour Kirby. Et pour Falco, lui, il y en a eu combien par attaque spéciale? J'avais dit qu'il y en avait eu un. Probablement que c'était le seul qu'il y a eu. Ben, la réponse est... Comment ça qu'il y en a eu 0? Il devrait en avoir un pourtant. À moins que quelqu'un... à moins que mon équipier l'ait frappé en même temps. Fait que c'est lui qui a obtenu le KO. Vu que c'est le dernier à avoir touché mon adversaire quand j'ai fait le renvoi de projectile. Peut-être ça. En tout cas, c'est ça, il y a 0. Attaque par smash météore. Bon. Avec Falco, il y en a-tu un? La réponse est oui. Et il y en a eu un avec Ness. Juste pour vous dire, soit dans le passé, avec Kirby. Si ça l'a compté, il y en a peut-être 3. Falco, 1. Ness. 1
Hé, hey, j'avais raison, Kirby, il y en avait trois. Excusez, ça me tentait. Eh oui. Le beau petit Kirby. 3 KO par Smash Meteor. Eh bien, donc, youpi, c'est la joie. KO par projection maintenant. Tout simplement, il n'y en a pas eu. Je pense que les 3 sont à 0. Kirby, NES, Falco, 0. KO par objet maintenant. On voit bien qu'avec objet, avec Kirby, il y en a 0. Je pense qu'il n'y en a pas eu de partie avec item. C'était genre avec. Avec la jauge de Final Smash que ça s'est passé. Avec Falco, il n'y en a pas eu non plus. KO par objet, non, il n'y en a pas eu pas en tout. Puis NES non plus. Il n'y a, pas eu de partie avec item vraiment là encore. Il n'y a pas eu vraiment de partie avec item. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas KO par objet. Mais il y aurait pas en avoir un KO par attaque Smash. Avec NES, c'est pas arrivé. Mais avec Falco, ça aurait pas arrivé une fois. Avec Kirby, ça aurait pas arrivé 3 fois. Bon, KO par Smash final, maintenant, comme vous voyez, les 3 sont à 0. Autre KO maintenant. Ben, on a 2 Kirby. On a Falco 3. Puis NES. NES, on dit qu'il y en a eu 0, lui. Ouais, 0, 0, 0. C'est tout court. Nombre de shit maintenant. C'est sûr que c'était très beau. Oh, NES 5 sur 3 matchs. Donc, c'est presque 2 KO en moins par combat. Falco, il y en a eu 13. Ok, 13. Puis Kirby, 21 à date. 21, ok. Autodestruction, ben c'est 0. C'est 0. C'est 0 pour les 3. On voit bien NES, Kirby, il y en a 0. Il y en a 0 pour le moment, c'est très bien. Super. Nombre de chutes. Maintenant, ben, c'est sûr que c'est très bas. Vu qu'il y en a 28 pour Kirby quand même, mais 28. Falco, il y en a eu 13. Et pour NES, seulement, bon, on avait dit 5, c'est vrai. Moyenne de chute par combat. Maintenant, ça va être de combien? NES, c'est 1,66. C'est l'un de mes meilleurs à ce chapitre. Ouais, mais c'est pas parmi mon top 5, mais au moins... oui, c'est parmi mon top 5, oui. C'est lui qui est en 5e place. Pour le plus bas, la plus basse moyenne de nombre de chutes par combat, ouais. Le nombre de chutes en moyenne par combat, oui, c'est ça. Après ça, le nombre de combats qu'il y a eu. Comme je vous l'avais dit, avec NES, il y en a eu 3. C'est ça que j'ai, 3. Avec Falco, 5. Moins. 5, 13 chutes. Lui qui a 8 est un peu plus loin à 11. Bon, ok. Moyenne de chute par combat, je sais pas, je l'ai pas vu. Ok, Falco, il est à 2,16. C'est très bien aussi. Avec Kirby. Avec Kirby. Oh boy, il est à 2,54. Ouf. Faudrait que j'améliore cette moyenne-là, c'est pas très bon ça. Nombre de combats maintenant. Bon, on avait dit 3, on avait dit 11 pour Kirby, on avait dit 6 pour Falco, puis 3 pour NES. Bon, donc ça fait tant de jeux, 17 minutes pour Falco, on a 10 minutes pour NES. Pour se rendre en Smash VIP. Victoire en mode Smash maintenant. 3 combats. J'ai eu 2 victoires avec NES dans le fond. Kirby. Oh boy, c'est un nombre de victoires. J'en ai juste eu 2. Ah ouais, j'en ai juste eu 2. Puis j'ai eu 11 combats. Ben voyons donc. T'es drôle, toi. Ah oui, ben oui, c'est ça. Ouais, parce qu'à cause qu'il y a eu beaucoup de deuxième place, peut-être pour ça que c'est pour ça peut-être que j'ai pas grandement de victoire, parce qu'à cause qu'il y a eu beaucoup de parties en multijoueur avec lui. Donc deux pour NES. Ouais, 2 pour NES. Puis Falco, lui, il y en a eu 4. 4 victoires pour. 4 victoires pour combien de combats avec lui? 6. Ah, c'est très bien ça, c'est super bien ça. C'est super bien. C'est 1,67%. Bon, nombre de défaites maintenant. 2 défaites. Bon, non. Ok, donc on voit que je suis déterminé pour la dernière place, c'est normal. C'est des parties en équipe. Une partie en 1 contre 1 puis une partie en équipe que j'ai perdu. Simplement. Les joueurs étaient trop forts. Trop forts. Ouais, trop forts. Mais ensuite, on a quoi? Kirby, il y en a 2 défaites seulement que j'ai fini en dernière place. C'est déjà. Pour 11 matchs, c'est. Moi, je trouve que c'est super bien. Quand même. Même si j'ai eu 12 victoires, mais au moins 2 défaites que j'ai fini dernier, c'est déjà
C'est déjà très bien, moi, je trouve. Falco 2, puis NES, c'est. Eh bien, coudonc, on a 0 avec NES. Ah oui, parce que mon premier match c'était dans le match à 3, j'ai fini 2e. Contre un joueur de Samus sans combinaison, il y avait un autre joueur de NES qui arrêtait pas de spammer de son attaque spéciale, ben. Oui, bye bye. Un autre joueur de NES qui jouait, oui, puis mais il fallait juste jouer des, par AB. Tour de victoire dans les 10 derniers combats. Bon. Avec Falco 66,66, comme que je vous le disais là. Bon, 66,66 avec aussi avec NES. Et bien l'égalité pour les deux. Mais j'ai joué un petit, j'ai joué genre le double des combats avec Falco. J'ai la même statistique dans les 10 derniers combats avec, versus NES ben, en moins de matchs. Puis là, Kirby, oui, c'est sûr que c'est certain, c'est pas gros, c'est 20% à peine, je pense. Mais ça sent regarder 20. Regardez ça, un gros 20 en 11 matchs, aïe, ça fait mal. Mais n'oubliez pas que j'ai fini souvent deuxième, fait que c'est pour ça que la statistique est quand même basse, pareil. Le taux de victoire dans les 50 derniers combats, 18,18, aïe, aïe, ouch. Puis avec Falco et Pinès, les autres sont égales. Ouais, la même chose, dans le fond, ça n'a pas changé. Bon, ok, en bonne position, j'ai été en position combien de fois? Si c'est avec Kirby, quand même, ça veut dire que 4 fois que j'étais en bonne position, que j'aurais pu gagner, mais j'ai perdu. J'ai perdu une mort subite que j'aurais peut-être pu remporter, sauf que là, j'avais un petit peu trop peur parce que je savais pas s'il allait réussir à me frapper en premier. Mais le gars trouve mon moment de me frapper sans rien me saisir. C'est pour ça que j'avais fait quand même un beau rattrapage à la fin pour moi justement en mort subite, mais il voulait juste me saisir. Moi je te dis le monde là qui va juste me saisir en mort subite, je m'excuse là. Écoutez, vous êtes capable de me frapper, pourquoi me finir avec une saisie s'il vous plaît le monde là? Vous êtes poche. Avec Falco, j'ai été en position 4 fois, ça veut dire que j'ai gagné 4 fois, fait que c'est bon ça. Tandis qu'avec Kirby, j'aurais pu gagner 4 fois de plus. Ça veut dire avoir une statistique de 50% environ. Puis NES, tour en bonne position 2 fois. Puis une fois, ben la fois que j'ai perdu, ben j'ai perdu le combat, ben c'est ça. J'ai fini en 2e place. Tour de bonne position des 10 derniers combats. On sait 66,66. Avec Kirby, on a 50%, c'est sûr, comme je vous l'avais dit, il y avait 6 fois, fait que donc. Taux de bonne position des 50 derniers combats. Comme que vous voyez. Ben ça m'étonne que Kirby ait une statistique plus haute que ça. 54,54, ok. 54-54, c'est drôle, je cherche une chanson en plus. Puis ça, on est sûr que c'est à 66 encore. Ah oui, même dans le compte. Taux de bonne position des 50 derniers combats, égalité avec les deux autres. Eh bien. Dégâts infligés maintenant. Combien j'ai infligé des dégâts avec ces personnages-là? Bon, Kirby 3477 en 11 matchs, c'est super ça. Avec Falco 17-17. Ouh, 1717. Ah ben écoutons. Avec NES 1018 en 3 matchs, c'est quand même très gros. Dégâts subis. Bon, combien j'ai subi de dégâts? Moi je vois que Kirby pas loin, il y a 3538. Avec Falco, j'ai 1834. Avec NES 830. Dégâts soignés. Je crois pas qu'il y ait eu des dégâts soignés là-dedans. Là. Je vois Falco qui est là. NES, Kirby, aucun. Vu comme que je vous avais dit, il n'y a pas eu de match avec temps. Puis il n'y a pas eu non plus M. Gain Watch. Puis que quelqu'un s'est observé du site B. Oh, puis il a obtenu des pompes par chance. Ou bien on a poigné genre un arène original comme. Comment que ça s'appelle déjà? C'est sur une île, là, tu vois, l'arène dédiée à 8 ans. De la version sur la Wii U. Oui, c'est sur la Wii U. Wii U, ben, ou 3DS, là. Bon, dégâts max maintenant. C'est sûr que ça va dépasser les 150, mais regardez, 791. Waouh! C'est-tu merveilleux? Pareil avec NES, 191. Oh boy! 391, c'est quand même beaucoup. Avec Falco, c'est 166.
Avec Kirby, j'ai atteint 150, 140, presque 150, oui, 149, 162. Quand même des bons dégâts max, mort subite. Avec, j'en ai participé avec une, puis je l'ai perdu, c'était avec Kirby, donc vous avez vu, il y en a bien un. Mais pour le reste, c'est zéro. Il n'y en a pas eu de mort subite, ça s'est tout terminé en temps régulier. Victoire en mort subite, ben comme vous voyez, zéro. Zéro avec Kirby, zéro une fois participé, zéro fois perdu. Smash finaux. Bon, Smash finaux, regardez, comme vous voyez, j'ai eu droit à deux Smash finaux avec Paco dans la même partie, mais j'ai pas réussi à mettre quelqu'un KO. Dont un de raté. Avec Kirby, j'ai eu deux Smash finaux, j'en ai atteint un, mais pas assez puissant pour mettre KO le joueur. Sur le côté droit de l'arène originale de Ryu. Ouais. Comme vous avez dit, il n'y avait pas eu de partie avec Joseph Finachement, avec NES, il n'y en a pas eu. Taux d'utilisation. Maintenant, 0,14% avec Kirby pour le moment. Avec Falco, c'est 0,7%. Avec NES, 0,3%. Distance parcourue. Falco, 1566 et NES, 6993. Distance de saut. Distance de saut 563 et pour Falco 1206. Ok, distance de chute maintenant, ça y est, il a chuté pas mal. Lui, Falco 2776, Ness 1402. Ensuite, distance des sections subies 2202 avec Falco et avec Ness 1096. Ok, distance en la nage, c'est zéro. C'est zéro, tu cours. Pour les trois, c'est puis pour ouais, c'est ça. Noyade, vous savez, ça restera toujours zéro. Objet obtenu. Comme que je vous ai dit, il n'y en a pas eu de partie avec objet, fait que tout le monde a zéro en ce moment. Ben non, avec Ness, j'en ai quand même eu un. Il y en a eu un avec item, c'était quand ça? Quand est-ce que j'ai eu ce petit item là? Je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas de cet item-là. Vraiment pas, je m'en souviens pas tout. Avec Kirby et Falco, j'ai pas obtenu d'objet. Mais avec Ness, oui. Ah ben. Puissance match en ligne. N'oublie toujours pas que c'est pas Ness qui est mon meilleur. Ça reste toujours Bowser en soi disant passant. Parce que c'est pas mis à jour cette affaire-là. Donc c'était ça pour les statistiques de Ness. Et de Falco, j'ai montré un peu Kirby aussi, mais c'est pas encore fini avec Kirby. Avec Kirby, c'est une question de centimètres pour remporter un match. Pour remporter un match serré, ça m'en prend un peu plus, mais il n'y en manque pas grand chose.